sa 19e année de présence à Madagascar. 19 années de présence au cours desquelles nous avons fortement investi. Investi, comme vous le savez, dans les câbles sous-marins. Il s'appelle Lyon, Lyon 2. Ici, nous avons fortement investi également dans un backbone national en fibre hertzien, en faisceau hertzien long de 8000 km. Sachant que le faisceau hertzien est une technologie particulièrement bien adaptée à Madagascar et extrêmement fiable. Nous avons investi également dans un réseau 3G qui couvre aujourd'hui plus de 150 villes. Et ce qui fait que aujourd'hui 80% du territoire et plus de 85% de la population ont accès à nos services. Nous avons également investi dans le développement des services de mobile money à travers, grâce à Orange Money, qui possède aujourd'hui plus de 3000 points de distribution sur l'ensemble de la Grande Île. Et puis, nous avons également investi dans ce que nous appelons la responsabilité sociale d'entreprise et le mécénat, avec de nombreuses actions, les plus récentes, étant par exemple le programme éducation numérique ou les villages oranges. Alors avec le lancement de cette nouvelle plateforme de marque, de cette nouvelle identité, eh bien, dans le cadre du plan stratégique essentiel 2020, nous allons continuer à investir, et investir très fortement, puisque nous avons programmé 500 milliards d'ariards d'investissement sur la période 2015-2020, 500 milliards d'ariards d'investissement. Et je peux vous dire que, puisque 2015 est terminé, nous avons réalisé en 2015 déjà plus de 80 milliards d'ariards d'investissement, donc nous sommes en ligne avec notre plan d'investissement. En ce qui concerne la 4G, qui est un sujet, comme vous le savez, d'actualité, eh bien nous la lancerons dès lors que toutes les conditions techniques seront réunies pour offrir à nos clients un service avec une rapidité 10 à 20 fois supérieure à ce qui se pratique aujourd'hui avec la 3G. 10 à 20 fois supérieure, c'est-à-dire 50 à 100 mégabits par seconde, pour reprendre quelques termes techniques. Et puis, dans le cadre de ce plan essentiel 2020, nous souhaitons, comme vous l'avez vu à travers cette courte présentation vidéo, réinventer la relation client avec ce concept novateur, ce qu'on appelle des cadres et des découpes, donc les cadres qui sont les besoins des clients, qui représentent les besoins des clients, et les découpes qui sont la réponse d'Orange Madagascar aux besoins de ses clients. Donc réinventer la relation client, accompagner la transformation des clients entreprises, qui, à Madagascar, comme dans tous les pays du monde, ont besoin de plus en plus de services de télécommunication pour faire fonctionner leurs activités, continuer à diversifier notre offre de services en nous appuyant notamment sur Orange Money. Comme vous le savez certainement, le groupe Orange est en train d'étudier l'acquisition d'une banque en France. Et bien évidemment, un jour ou l'autre, tout ça arrivera à Madagascar. Donc Orange Money est destiné à évoluer vers ce qu'on appelle la banque mobile, de façon à avoir une offre complète de services bancaires vis-à-vis de nos clients. Et puis tout ça sera soutenu par nos actions dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise et du mécénat, de façon à favoriser l'intégration économique et l'inclusion numérique de la population malgache, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Donc pour refléter tous ces changements, une campagne internationale est lancée aujourd'hui par Orange Madagascar, après avoir été déployée en France, en Pologne, en Espagne, en Jordanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Et dans les semaines à venir, cette campagne sera déployée
dans la totalité des pays où le groupe Orange est présent. Alors cette marque, comme vous l'avez vu, place ce qui est essentiel pour ses clients au cœur de ses actions. À cet effet, 6 thèmes ont été identifiés comme essentiels pour nos clients. Alors je vais vous les donner en français. Je m'exercerai ensuite à les prononcer en malgache. Donc la famille, le fun, le travail, l'argent, le bien-être et la maison. Donc la famille, à Vannes, le fun, à La Voule, le travail, à Assa, l'argent, Voule, le bien-être, Fianan, et la maison, Charles. Pardonnez-moi si la prononciation malgache n'est peut-être pas encore à un niveau quelques mots. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc une nouvelle identité de la marque, mais surtout une nouvelle stratégie centrée sur l'expérience client qui s'appelle Essentiel 2020. Merci à toutes et à tous de votre attention.